Le prince Andrew aurait fait pression sur la reine Elisabeth II pour que Charles ne devienne pas roi. Charles, le fils aîné de la reine Elisabeth II, a été proclamé roi le 10 septembre dernier après le décès de cette dernière. Un moment que le prince Andrew aurait préféré éviter selon l'auteur Angela Levin. Dans son nouveau livre consacré à la nouvelle reine consort Camilla, celle qui a déjà écrit de nombreuses biographies sur la vie des membres de la famille royale britannique, fait d'explosives révélations. Comme le rapporte le Daily Mail, le prince Andrew aurait exercé des pressions sur la reine Elisabeth II pour empêcher Charles de lui succéder sur le trône. Hostile à Camilla Parker Bowles. Pour ce faire, le duc d'York aurait alors comploté, avec la princesse Diana et son ex-femme Sarah Ferguson pour écarter le prince Charles. Son objectif étant qu'il puisse alors devenir le régent du prince William, si la reine décédait avant qu'il n'ait 18 ans. Le prince Andrew a exercé de fortes pressions dans l'espoir que Charles ne devienne pas roi à la mort de sa mère et que William porte la couronne, souligne Angela Levin. Cependant, Elisabeth II n'était pas d'accord avec lui. On m'a dit que c'était l'une des rares occasions où il n'arrivait pas à ses fins, cite l'auteur. Et ce n'est pas tout, le prince Andrew s'est aussi farouchement opposé à l'union entre Charles et Camilla Parker Bowles, jugeant qu'elle n'était pas assez aristocratique. Il serait resté depuis hostile à la nouvelle reine consort. Angela Levin affirme que le duc d'York était très méchant et venimeux envers Camilla parce qu'il pensait qu'elle n'était pas digne de confiance. D'après l'auteur, elle tire ses informations d'un initié de haut niveau au palais de Buckingham qui affirme que le duc disgracié voulait diriger le pays d'une certaine manière. Les représentants du duc d'York n'ont encore fait aucun commentaire sur ces révélations. Au fil des années, la relation entre Charles et son frère Andrew s'était extrêmement détériorée suite à l'affaire d'Epstein dans laquelle le duc d'York a été impliqué. Ce dernier avait d'ailleurs été déchu de ses titres militaires. À ce titre, il lui a été interdit de porter son uniforme militaire lors des funérailles de sa mère le 19 septembre dernier.